Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose qui m'énerve chez les Camerounais. C'est que les Camerounais ont un problème crucial. Riagogo a très bien fait de prendre position le 8 décembre parce que ça ouvre directement sur la nouvelle année 2018. Et nous savons bien que la nouvelle année 2018, c'est la période électorale. Un, je vous jure, si tu prends Edith Kabangwala, tu demandes à la femme là que la mère, Paul Biya se présente encore, elle va te dire, petit, c'est comme prendre l'océan Pacifique dans la voiture, aller poser au désert du Sahara, il a trop duré. Non, on ne veut plus le père là. Et vous les Camerounais, vous suivez aussi, vous menez la danse, on ne comprend plus rien. Paul Biya a trop duré. Moi, je suis né pour le bien-être au pouvoir. Je me marie là au pouvoir. Me voici au sixième enfant. Il est toujours au pouvoir. Sixième enfant, c'est pour les gars du Shabbat. On ne comprend rien. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vous avez vu quoi sur Paul Biya? Hein? Non, il faut dire la vérité. Bon, ok. Pourquoi ce n'est que Paul Biya que vous avez vu? Bon, de vous à moi, s'il vous plaît. Hein? N'allons pas trop loin. Depuis que Riagogo s'y a commencé, c'est toujours Massarakop qui a introduit, non? Pourquoi vous me proposez pas aussi Patson? Il n'a pas aussi trop duré. Hein? Non, n'allons pas très loin. N'allons pas très loin. Non, s'il vous plaît, hein? Le père, de toi à moi, depuis que Manu Dibango n'a pas les cheveux sur la tête, tu ne vois pas qu'il a aussi trop duré? Pourquoi on ne demande pas aussi à Manu Dibango de laisser les cheveux pousser? Non, n'exagérons pas. Hein? Non, de vous à moi. Petit émeute à Bamenda, Chirou Massor. Mesdames et messieurs, l'émeute de Bamenda, on a dit qu'il y a 15 morts, il n'y a pas eu de mort. Petit grève à Douala, Chirou Massor. On ne comprend plus rien. Petit truc à Kolofata, Chirou Massor. Paul Biya dort mal, Chirou Massor. S'il vous plaît, vous ne voyez pas que le type là sort déjà trop à la télé. Pourquoi ce n'est que Paul Biya que vous avez vu? Non, il faut dire la vérité. Hein? Le père, vous avez quel âge? 42 ans, hein? Ok, donc ça fait 42 ans que votre père est votre père. Vous ne voyez pas que lui-même il a trop duré. Ce n'est que Paul Biya que vous avez vu. Non, il faut dire la vérité. La mère, tu es d'où? Tu es d'où, ma mère? Tchang? Tu ne vois pas que ça fait trop d'années que tu es Tchang? Tu ne peux pas être Bafoussam? Tu ne vois pas que tu as trop dû? Pourquoi ce n'est que Paul Biya que vous voyez? Non, il faut dire la vérité. Le père, vous au premier banc là, depuis que Riagogo a commencé, pourquoi ce n'est que Massarakop que vous farotez? Non, il faut dire, non, attendez, pourquoi ce n'est que Massarakop que vous farotez? Vous ne pouvez pas aussi faroter Blaise Galaba? Grand, tu prêtes seulement. Non, il faut dire les vérités. Non, il faut dire, le père, tu as chuté, hein? Avant, c'était 10 000. Maintenant, c'est Colo. Tu as enlevé un zéro derrière. C'est bien. Les Camerounais ont exagérément de problèmes. On ne comprend plus rien. Tu poses un Camerounais au nord, il te dit qu'il fait trop chaud là-bas. Tu poses un Camerounais à l'ouest, il te dit que c'est trop glacé. Prends le même Camerounais, pose-le à Bamenda. Il va te dire que non, il veut gréver. J'espère que je ne risque rien. J'ai une carrière à protéger, je suis étudiant. Petit, toi-même tu viens, tu jettes seulement, c'est le péage. C'est pour ça, donc, mesdames et messieurs, que je vous informe que moi-même je vais chercher Massarakop. C'était Blaise Kalaba, merci. Que vous me cherchez là, ce que vous me cherchez, vous n'allez pas avoir.
Oh, viens ramasser tes conneries là. Chacun se masse à Jacob. Je suis la cible de la destruction. Hein. Tout le monde veut m'abattre. Bon, allez, laissez passer parce que là, on va introduire notre dimension de la chanson. J'ai connu ce garçon dans les cabarets. Ça, ça ne marche pas. Ghislaine Dimaï, c'est un chanteur au pair. Il a commencé dans